mon antisèche. Moi, j'en ai pas. Alors, chère madame. Chère madame. Non, c'est pas vous, ça, c'est quelqu'un d'autre, ça, c'est ma lettre pour les impôts. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une sacrée dose de folie quand même dans tes textes. Hein. T'es limite aliéné. C'est génial, on l'a jamais fait cette. Ah bah écoute, c'est vrai, aliéné. Moi, j'ai pris, je prends. Alors, on va commencer par le début. Première question. Where did you sleep last night? Qui n'est pas de moi. Ah, raconte-moi. Donc celle-ci n'est pas de moi, c'est de Led Belly qui est en fait un vieux bluesman des années 30, je crois. Et qui était en fait un gangster. D'accord. D'où la chanson, je pense, qui est assez brute, ouais. Brutale, on va dire. Ouais. Et elle a été reprise par Nirvana sur l'Unplugged, en fait, qui s'avait fait il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Minimum. Ouais. Ouais, allez, on va peut-être augmenter un petit peu. Ouais, c'est ça, presque 20 peut-être. Ouais, déjà. C'est incroyable. Et donc, j'avais envie de la reprendre. Au départ, on était sur une formule sur scène plutôt très folle, très acoustique. Ça a beaucoup évolué. Mais j'ai gardé cette reprise qui s'est vraiment intégrée à mon répertoire. Alors de manière un petit peu plus prosaïque, où est-ce que tu as dormi l'année dernière? T'étais parti où? T'es en vadrouille? Tu sais même plus. C'est pas très rock'n'roll. Non. Non, pas du tout. J'étais chez moi dans mon lit en train d'accord. de dîner. T'es sur Paris? Ouais. D'accord. Parce que j'ai vu que tu avais quand même une petite tournée qui s'amorçait ouais. sympathique là jusqu'au mois d'août. Ouais. Ouais, je suis très très satisfaite de cet aspect-là. Je suis très très soutenue par mon booker qui bosse beaucoup. Mmh. Et c'est pas toujours évident pour lui, mais il a quand même une belle tournée. Québec? Ouais. Première fois? Deuxième. On a été l'année dernière. C'est comment? C'est super. Ah ouais. Et je suis contente d'y retourner. Par contre, on n'avait pas joué à Montréal. On joue à Montréal cette année. Une belle aventure t'attend là au mois de juillet. Août. Ouais, juillet. Quelque chose a changé là maintenant. On parlait tout à l'heure de faire avancer les choses. Je claque des doigts, qu'est-ce que tu fais? Plein de choses. C'est très difficile de répondre à ce genre de questions. Bah, c'est pour ça que je suis pas toujours vide. Je suis un fumiste de la c'est matière. C'est dur. Si moi je retourne l'appareil, tu me dis quoi toi? Alors, moi je claque des doigts là maintenant. Ouais, tu me dis quoi? Je dis à tout le monde de se barrer, puis rien que pour moi tu chantes. Voilà. Oh non, il y a tellement de choses que je changerais. Et à la fois, je claque des doigts. C'était une période de ma vie plutôt compliquée, des histoires d'amour un peu conflictuelles. Comme des histoires de? D'amour. De? D'amour. Oh oui. C'est pas très original. Ouais, ça, mais si, mais c'est la vie. Hein. Comme ouais, tout le monde. Ouais. Alors bon, je vais continuer dans mon gimmick là, de prendre tes textes et tes titres. Est-ce que t'as enfin trouvé une trappe dans le mur pour t'échapper? Oh bah oui. Ça y est, donc à la suite de ça. Bah l'album. Hein, ça voilà, c'est ce qui te porte. Ouais. T'as un très bel album. C'est vrai que. Ça fait plaisir de l'entendre. Franchement. Et je pense que ce soir, tu vas voir, ça va être chaud. Parce que tout le monde parle de toi sur le net, là, sur Facebook. Tiens, je vais parler de Stéphanie, qui se reconnaîtra, qui est du groupe Oh là là et qui a fait le buzz pour toi. Voilà. Le groupe Oh là là? Mais pas le Oh là là que tu connais, ah c'est ouais. un autre Oh là là. Bon, j'ai vu que tu étais aussi très inspiré par des gens comme Ricky Lee Jones. Mmh. Est-ce que tu connais l'album Naked Song? Oui. Quelle est ta Naked Song à toi? Celle que la chanson que tu emporterais? La chanson que j'emporterai, c'est, je crois, la reprise de Leonard Cohen, Alléluia, de Jeff Buckley. Ah oui. C'est une reprise, mais magnifique. Ah oui. Et le pire, c'est quand tu la vois dans Shrek, ça fait peur. C'est vrai, tu te dis, qu'est-ce qu'elle fait là, cette chanson? Ouais, elle a fait mais alors ta chanson, non, c'était ta chanson. Ah, ma chanson. La chanson que tu nous. Ouais, mais moi, j'emporte pas mes chansons, moi. Ah bon? Moi, je les écris et puis je les. Ouais, mais il y a une chanson qui est une chanson phare, le monstre, je sais pas à quel état. Je vais dire, la chanson que j'aime jouer sur scène, la chanson que je. Dont je suis peut-être le plus fière sur l'album, c'est Le cœur il boue, parce que déjà, elle est en français. Ah, et oui. En même temps, elle sonne. Elle sonne un peu multi-frontière. Et j'aime la couleur qu'a cette chanson, j'aime la couleur qu'on lui a donnée sur scène avec les musiciens. Mmh. Présente-nous un peu tes musiciens. Alors, on est quatre. Je suis accompagnée d'un human beatboxer. Oui, j'ai vu, je cherchais, je comprenais pas, j'entendais des bruits. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de beatbox sur l'album. Je cherchais, mais était le. Non. Mais où? Le vieux con, c'est quoi ce bruit? Ouais, il y a un human beatboxer qui fait des percussions également, ouais. Des samples, un bassiste chanteur, une choriste. En fait, au départ, ils sont arrivés tous beatbox, tous des trucs très dénudés, des voix, et au fur et à mesure,
Je leur ai dit, alors, hop, on va prendre ça, on va c'est bien, ça. C'est bien. C'est toi qui travailles là-dessus qui... Beaucoup, après, ensemble aussi. On travaille beaucoup ensemble, mais... C'est Thierry Lafargue ou c'était... Sébastien Lafargue. Avec qui on a travaillé sur les arrangements et la réalisation de l'album. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il est présent ce soir? Non, c'est... Non, ce soir. Il est à Paris, Sébastien. Voilà. Tu as du travail. Bonjour, Sébastien. Alors, tu trouves pas que ça sent bon là où on est? Ça sent bon la frite, non? Voilà, c'est pour donner un peu de goût à notre image. On est sur l'autoroute, il fait beau et chaud. Bon, c'est super. Merci, je te souhaite un beau concert. Merci. Tranquille à Blois, dans merci cette ville où, tu vois, l'architecture contemporaine. Mais c'est super, c'est très urbain, très Brooklyn. Voilà, c'est Brooklyn. C'est un peu New York.